Vous êtes sur RTI1, l'émission C'est midi chez nous et c'est le temps du rire. Nous sommes en compagnie de nos trois humoristes. À ma gauche, son Excellence Monsieur Didier Laflamme de l'Estanguet. Bonjour. Selon la loi du code pénal numéro 428 de juridique du décret régissant la constitution de la République fédérale de l'Estanguet, bas tiré du 18 janvier 1858, bonjour. Bonjour à vous. Alors, à l'Estanguet, c'est comme ça les lunettes qu'on oui, les porte? Non, il faut dire qu'à l'Estanguet, il y a trop de choses. Voilà, les paires de lunettes que vous voyez en haut ici, c'est pour juger la route. Ah, vous en avez combien? J'avais même pas fait attention. Voilà. Trois paires de lunettes. Ah ouais. Waouh. C'est pour juger la haute hiérarchie. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'Estanguet. Et en bas, c'est pour le bas peuple. Le milieu, c'est pour le juste milieu. Il y a trop de choses à l'Estanguet. Et puis, à ma droite, j'ai Maître Philo, avocat défenseur. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Da Silva. Effectivement, je suis Maître Philo, grand bâtonnier dans l'ordre du mérite des grand avocats. Grand quoi, bâtonnier? Bâtonnier, bien entendu. Dans l'ordre du mérite de la justice de l'Estanguet. Bien entendu, j'ai à mon actif plus de 14 897 procès, mais j'ai tout remporté. Pas de défaite, s'il vous plaît. Aucune défaite? Aucune défaite avec 30 ans d'expérience, s'il vous plaît. Wow. Je vous en prie. Félicitations à vous. Je vous en prie, c'est mon travail. Et j'espère que le procès d'aujourd'hui, vous allez encore le gagner. Oui, évidemment, comme si j'ai gagné plus de 14 000 procès, c'est pas un seul que je ne vais pas gagner. Comprenez bien. Monsieur de Perpignan est l'accusé. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Moi, c'est de Perpignan, le bon. Voilà, le bon depuis l'Estanguet. Alors, 10 hectares de riz, 7 hectares de manioc, et puis près de 362 682 km² de piment. Voilà, donc malheureusement, aujourd'hui, je suis l'accusé. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. D'accord. Alors, pour commencer, je vais donner la parole au juge, son Excellence Monsieur Didier Laflamme de l'Estanguet, qui va nous expliquer ce qui se passe. Quelle est l'affaire qui vous réunit ici ce matin? Ah, merci beaucoup. Il faut dire que je suis le président de la Cour tribunale pénale judiciaire. Il faut dire que l'affaire est grave à l'Estanguet. Toi, tu es en train de manger, arrête de manger. Toi, tu es en train de parler, arrête de parler. Toi, tu es en train de respirer, arrête de respirer. Parce que l'heure est grave à l'Estanguet. Alors, Madame Calorine Da Silva. Madame Calorine. Hein, Calorine. Calorine. Ouais. En justice, il faut prononcer des choses comme ça pour camoufler certaines choses. Ah, d'accord. Calorie. Voilà, Calorine. Alors, il s'agit de la mort d'un héritier. Un digne héritier a été empoisonné à l'Estanguet. Alors, après les investigations qui ont été présentées, le témoin que nous avons trouvé sur le terrain, laissez-moi voir, le témoin... Si avec tout ce que vous avez sur votre figure, vous n'arrivez pas à voir, c'est grave. Le témoin, excusez, en justice, il faut bien voir, il faut avoir l'œil du connaisseur. C'est juste. Le témoin était un soumieur. Alors, le témoin soumieur, il expliquait, mais personne ne comprenait. Il fallait quelqu'un pour traduire. Et Dieu merci, il y a un monsieur qui s'est porté volontaire pour traduire. Malheureusement, ce monsieur, c'est un bègue. Et ça a commencé à énerver le soumieur parce qu'il trouvait le bègue lent. Donc, il est fâché, il dit, n'expliquez plus. Après 2 semaines, nous avons eu comme information que l'héritier faisait les 100 pas en 16 heures. Et l'héritier est arrivé devant le portail de M. Tintampion que voici. M. Tintampion que voici, qui s'appelle de Perpignan, a donné des grains de riz à l'héritier. Alors, je ne sais pas comment décrire l'héritier, mais nous avons la photo de l'héritier. Ici, je ne sais pas. Vous cherchez quoi? La photo de l'héritier en question. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, nécessaire. Il faut des preuves palpables. Voilà, si les mains, j'ai porté les gants. C'est pourquoi, justement, je n'avais pas fait attention. Il faut avoir les mains propres. Voilà. Ah, d'accord. Ah, justement, j'ai retrouvé. C'est pas pour une opération chirurgicale. Voici l'héritier en question. Attention, c'est un poussin que je vois. Oui, bien sûr. Vous avez besoin... D'une paire de lunettes? Non, ça va pour moi. Ne riez pas. Pour moi, ça va. Voilà, c'est l'héritier, oui, c'est un poussin héritier.
Et je vois 2000-2014. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son âge. Ah, d'accord. C'est... L'héritier a 14 ans. D'ailleurs, même, c'est son René. Là, il a été dénué. Ne dis pas, l'affaire est sérieuse. Alors, l'héritier, il a été froidement empoisonné. C'est le médecin dans une clinique que je n'ai pas fait de publicité. Mm-hmm. Voilà. Et M. de Perpignan a été accusé d'avoir empoisonné l'héritier. Donc, vous pouvez poser toute la question à l'accusé. Bon, on va écouter l'accusé. Madame, il faut dire que, comme je l'ai dit, je m'appelle Le Bon. Je n'aime pas voir un être humain, sinon un être vivant, souffrir, mourir de faim. Même un vertébré. Ça veut dire quoi, un être vivant souffrir moins de faim? Tout ce qui respire, quand je vois qu'il souffre de faim, il faut que je vienne à son secours. Ah, d'accord. Et un matin, 16h, vers là, j'étais devant mon portail. J'ai jeté les grains de riz. Et ces grains de riz, d'ailleurs, n'étaient pas destinés à l'héritier. C'était destiné aux moutons et aux bœufs. Objection, votre honneur. Ce prévenu qui est là, est-ce que les bœufs peuvent vous manger des grains de riz? Objection, votre honneur. Refusez. Il a parlé. Maître, continuez. Je pense bien que j'ai la parole. Alors, votre honneur. Exception. Monsieur. Allez-y, madame. En fait, je pense bien que j'ai la parole. J'ai pas compris son intervention. C'était pas normal d'écouter d'abord l'accusé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe à l'Estanguet. Ah, d'accord, si vous avez vos règles. À l'école, vous comprenez que c'est pas du jeu. D'accord. Je m'en vais rectifier les choses, madame Da Silva. Selon les lois qui stipulent le registre contentieux judiciaire de l'Estanguet, par moment où l'accusé, sinon le prévenu, s'hasarde à donner des malentendus sur des faits invrais, nous avons le droit de répliquer, bien entendu, par des objections. Entendre le prévenu ici présent, monsieur De Perpignan, d'abord de façon nominale. Accordé. De Perpignan, le nia du nom qui est là déjà, stipule déjà que c'est quelqu'un qui nia. Accordé. Quelqu'un qui nia, bien entendu, dans le langage de la rue, c'est quelqu'un qui s'en fout. Accordé. Par conséquent, il s'en fout de tous ses faits. Accordé. Et donc, incontrôlable. Accordé. Je voudrais vous donner la preuve, bien entendu, votre honneur, que j'ai ici à ma possession le registre du carnet de santé de mon défunt client. L'héritier en question. Il ne souffre d'aucune ambiguïté sanitaire. Accordé. Mon client se portait très bien jusqu'à ce que cet ascenseur puisse lui faire rendre l'âme. Accordé. Je m'explique. Bien entendu, donc il était doté d'une alimentation bien suivie et donc était nourri de grains de sulfate de sodium et pas des grains de riz. Par conséquent, je voudrais par ce fait-là, votre honneur, si vous me permettez de continuer, bien entendu. Accordé. Déclarer ici présent que le prévenu ici en question, M. Tantampion de Perpignan, a essayé, bien entendu, de donner, sinon de corrompre, bien entendu, mon client défunt par des grains de riz. Et par conséquent, il doit, de ce fait-là, être incriminé pour double infraction. Première infraction, mais objection. Si vous pouvez prendre note, il doit être incriminé par, bien entendu, tentative de génocide volontaire à autrui. Objection, maître. Objection, mon juge. Accordé. Alors, madame, moi, j'ai dit, je donnais les grains de riz aux moutons et puis aux poulets, et aux moutons, aux bœufs. Mais le bœuf, si le bœuf mange les feuilles de riz, c'est qu'il a mangé le riz. Accordé. Bon, ce riz en question a été cultivé par un cultivateur honnête. Accordé. La terre qui a produit le riz a été arrosée à 45 degrés Celsius à l'ombre. Accordé. Bien les cabinets, ça. Et bien avant que le riz soit coupé, celui qui a coupé le riz a arrêté de respirer pendant 30 minutes. Accordé. Donc, il est nous. Au fond, qu'il soit bien mangue. Madame, vous-même, regardez. Ça là, regardez, goûtez si ça est empoisonné. Pardon? Goûtez. Ça là, c'est pas empoisonné. Moi-même là, nia. Après ce qui est arrivé au poussin de 14 ans, le poussin de 14 ans, pendant 14 ans, qui est resté toujours un poussin. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas empoisonné. Accordé. Mais comment on peut me dire que. Et moi, j'ai pu empoisonner quelqu'un comme ça, hein? Moi, tu as une nourriture, hein? Objection, votre honneur. Accordé. Nous ne sommes pas à des funérailles ici. Accordé. Je voudrais continuer mes propos à cesser, bien entendu, à ce moment précis. Allez-y. Monsieur l'inculqué, l'accusé, Tantampion de Perpignan, bien entendu, ne fait que nous faire couler des larmes de vampires.
Pas de crocodile, je les larmes, non pas. Pas de crocodile. De crocodile, sinon des vampires, s'il vous plaît. Ok, ratifié. J'ai dû à mon actif plus de 14 600 affaires, dont aucune défaite. Non reconnu. Bien entendu. Accordé. Donc, je m'en mets possible pour dire que M. de Perpignan, ici présent, l'accusé, est doté d'une infraction fugitive. Donc, il a dû quitter, bien entendu, l'Estanguet sans l'avis des autorités de cette République fédérale. Par conséquent, il doit être incriminé pour une deuxième fois comme étant évasionniste terrestre, voire même aérien. Parce que M. de Perpignan, qui est là, a été interpellé à bord d'un autobus. Voici le ticket du bus qu'on a pris sur lui. Accordé. Avec son nom à l'appui, M. de Perpignan. Accordé. Nous avons les documents nécessaires. Poudre de scampette. Monsieur de Perpignan, vous êtes fuyé à hasard. Objection. J'ai pas compris. Une question. J'ai pas compris, en fait, le côté aérien de côté son évasion. Aérien. Vous avez parlé d'une évasion terrestre et aérienne. Madame Da Silva, selon le code qui régit l'article 692 du code pénal de l'Estanguet, alinéa point virgule à la ligne. Accordé. Le 6 septembre 1698. Accordé. Il stipule qu'un individu qui quitte une république respectable et respecte donnée de l'Estanguet sans l'avis des autorités accordé. Est une évasion terrestre. Accordé. Par conséquent, il a été pris en flagrant d'évasion dans un autobus d'où j'ai brûlé. Vous savez, nous parlons avec les preuves à l'appui. C'est le ticket du bus avec son nom et prénom dessus. Accordé. Et donc, par conséquent, c'est un fuyard à caractère notoire exponentiel. Lugubre. Maître, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, maître, tu n'es ça. Hein? Ça, c'est pardonné. Vous me permettez? À partir de ce moment, il stipule que les lois peuvent changer d'un moment à l'autre à l'Estanguet. Vu les preuves palpables qu'il a brandies. Mais attendez, attendez, oui, il va falloir qu'on sache quand même le contenu de cette enveloppe. Le contenu. Excusez-moi de faire quand même une incursion comme ça à la justice dans ce procès. Mais le contenu, madame Dassi, on ne sait pas du tout le contenu. La justice est ce qu'on appelle un coup. Quand on parle de code secret, c'est la justice. Et c'est là le code secret stipule sa réalité des faits. D'où par conséquent, le contenu de cette enveloppe n'est pas du tout exposé à l'ordre public. Par conséquent, les lois peuvent changer à partir. C'est ça, on dit preuve. Monsieur le juge. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? Moi, je pense bien que... Monsieur le juge. Objection! Monsieur le juge! Objection! Votre honneur! Alors, pour une cour pénale judiciaire, selon la loi 428 du Code pénal décret régissant la constitution République fédérale de l'Estanguet, 428 de l'année 1879, alors, l'avocat ici présent en train de montrer une corruption. Alors, selon la loi, une corruption dans la cour doit être condamnée. Alors, je prends mes... Objection, objection, maître. Accordé. Accordé. Je crois qu'il y a eu une enveloppe pour vous. Accordé. Essayez de voir ce qu'il y a à l'intérieur et puis dites-nous tout. Accordé. Accordé. On peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Excusez. Là, pour voir, vous avez besoin d'enlever toutes vos lunettes. Accordé. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends rien dans cette cour. C'est vous, monsieur de Perpignan? Oui. On vous accuse de quoi? Vous avez tué quoi? Un poussé? Oh non! Qui arrête ça? Qui arrête ça? Tout ce que vous faites pour la justice, on peut vous condamner pour un cas de poussé? Non, arrêtez! Aucune justice ne peut être faite. Vous êtes déclaré non coupable. Hein? Mais attendez! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des hommes de loi et vous vous laissez comme ça corrompre? Non, je comprends. Si vous avez reçu aussi une enveloppe, vous n'avez pas parlé comme ça. La justice est comme ça. Mais je veux savoir tout de même le contenu de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ce pays? Hors antenne. Vous savez que la corruption est un vilain vice. Oui, oui. Madame, vous savez que... Mais vous êtes un homme de loi. Vous ne pouvez pas être un hors-la-loi. Oui. Vous deux. Oui. Mais je ne vous comprends pas. Non. Nous, on ne se comprend pas. Je voudrais par conséquent vous ramener à l'ordre, si j'ose m'exprimer, si Madame Da Silva, et que cette enveloppe dotée d'une preuve palpable réglementaire. Je voudrais vous en remercier d'ailleurs. Merci. Je me demandais parfois ce que je faisais là en train de défendre. Oui, écoutez. Parfois, oui. Et je me suis rendu compte que ce monsieur... Vraiment, je voudrais
vous féliciter pour les actes nobles que vous posez à l'Estanguet ici. Vous savez, madame, des simples raisons, les arguments seuls ne suffisent pas dans la justice. Souvent, il faut faire les gestes. En tout cas, je m'en suis bien rendu compte. Je m'en suis bien rendu compte. Vous êtes déclaré vraiment, coupable. Vous pouvez aller à la maison. Mais ne recommencez plus. Si c'est à ça vraiment que ressemble la justice de l'Estanguet, moi, je suis vraiment désolée. Merci encore. Et puis, ceci étant, nous allons vous dire au revoir et puis retrouver... nos comédiens habituels dans la deuxième partie de cette rubrique. Mais pour l'heure, voici une variété musicale. J'espère que vous avez aimé cette parodie de nos humoristes.